Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est un vidéo très personnel qu'on va vivre ensemble parce que je poste des photos souvent sur Instagram. Des fois, j'ai les cheveux ici, des fois, j'ai les cheveux ici, des fois, j'ai les cheveux ici, des fois, je les ai aux fesses, c'est jamais pareil. Et ça, c'est parce que je suis la reine des extensions. Parce que je porte beaucoup d'extensions, je porte plus des perruques maintenant, j'ai fini avec les perruques, mais je porte des extensions parce que mes cheveux, ils poussent encore, ils sont pas encore à la longueur que je désirais qu'il soit vraiment. On m'a demandé tellement souvent sur les réseaux sociaux, ils sont rendus où tes cheveux à peu près, genre, ils ont poussé jusque où. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous montrer mes vrais cheveux. Ce qui est vraiment quelque chose de gros à me demander, ok? Parce que c'est vraiment parce que je tiens à mes abonnés et parce que je sais que mes abonnés sont vraiment super. Et je sais que on doit tout se dire, ok? On doit tout se dire. Mais avant tout, en fait, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi que je mets dans mes cheveux en général. Parce que je porte depuis maintenant quand même quelques mois, c'est des rallonges de vrais cheveux que j'ai achetés sur mesrallonges.com et je les adore. Je suis la couleur numéro 4, le brun numéro 4. Parce que, tu sais, on se cachera pas, là, les cheveux longs, c'est comme, c'est genre la féminité. En fait, il y a des filles qui ont les cheveux courts qui sont super belles, ça leur va vraiment à merveille. Genre, je tripe vraiment trop sur les cheveux longs pour avoir les cheveux courts. Comme vous pouvez voir, dans le fond, sur mes photos Instagram, c'est des rallonges comme ça, à clip, que je porte de cette longueur-là, parfois. Parfois, je porte de ceux-là qui sont vraiment plus longs. Parfois, je porte de ceux-là qui sont encore plus longs. You better slay, queen. Slay. So, ok, donc le défi aujourd'hui, c'est ça, c'est d'enlever mes cheveux. Pour être honnête, c'est fucking stressant parce que j'ai peur, on dirait, d'enlever genre l'illusion que je vous ai donnée avec mes cheveux longs. Peut-être que vous allez faire comme genre, ah ok, t'es bien lette. Ok, gars, il va. Bon, vous allez me respecter, vous allez m'aimer pareil, ok? Ok, donc moi, je porte toujours... Et là, vous allez vous dire, ok, dans le fond, c'est pas des rallonges qu'elle a dans les cheveux en ce moment, c'est comme une perruque, là, elle en a vraiment beaucoup, des rallonges. C'est ça, c'est comme ça. Je porte toujours ici une lisière de 3 clips de chaque côté sur le dessus de cette longueur-là. Et ensuite, je porte de chaque côté des lisières de 4 clips. Et pour finir, j'ai deux longues lisières, là, comme je vous ai montré tantôt. Mes vrais cheveux ici. Donc ça, c'est mes vrais cheveux. Je sais, c'est vraiment pas pareil, mais j'ai pas le contrôle sur la pose de mes cheveux. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme pas encore trouvé la force, on dirait, genre d'aller me promener comme en ville avec mes cheveux comme ça. C'est pas que c'est pas une coupe que j'aime pas, mais c'est pas, je suis vraiment, vraiment pas habituée. Puis, en fait, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, savoir si je devrais sortir comme ça, genre si je pourrais porter vraiment cette coupe-là comme dans la vie de tous les jours. Pour les petits curieux qui voulaient avoir la réponse à leur question sur mes cheveux, ben, c'est ça. Si t'as aimé la vidéo, tu sais quoi faire, tu mets un like, tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube, tu t'abonnes sur mon Instagram et tu peux m'ajouter aussi sur Snapchat, ok? Snapchat, c'est Sedless. Instagram, c'est Kate Bang. Merci. Bonsoir, les amis.